Au début que j'ai roulé en 2006, moi, il n'y avait pas de GPS. Il commençait à peine à sortir, c'était pas opérationnel. Il y avait, bah, voilà, c'était des trucs, c'était des jouets, quoi. Donc le truc, c'était fallait rouler à la carte. T'as pas le choix, tu roules à la carte. Tu fais tes itinéraires et quand tu arrives en approche de chez le client, tu t'arrêtes à une station, tu prends une petite carte régionale ou locale et là tu peux avoir les rues, etc. À moins de les acheter à chaque fois, mais bon, moi j'ai vu les anciens avoir des cartons comme ça remplis de cartes routières de chaque ville, de chaque. Enfin bref, on est en 2020, c'est fini ce temps-là. Maintenant il y a des GPS, il y a tout ce que tu veux. Donc GPS poids lourd, tu peux prendre celui que tu veux au prix que tu veux, on s'en fout parce qu'il y en a plein qui me disent oui, c'est quoi ton GPS préféré, c'est quoi le mieux, c'est quoi. Il n'y a pas de mieux ou pas mieux. Moi, tout ce que je te dis, c'est si tu sais faire un itinéraire sur une carte, tu prends Google Maps, c'est comme une carte. Tu prends n'importe quel GPS, quand tu dézoomes, ça te fait une carte. Sauf que l'avantage du Google Maps, c'est pas que j'ai un partenariat avec eux, c'est juste que tu peux passer en mode satellite, tu peux zoomer, tu peux aller voir vraiment comme si tu y étais pour, on va dire, vérifier les dernières rues pour accéder à chez ton client et vérifier déjà si c'est bien la bonne adresse. Voilà, enfin bref, on va rentrer dans le détail après sur l'écran de l'ordinateur. Je vais le faire sur l'ordi parce que c'est plus simple pour moi. J'aurais pu le faire sur téléphone, mais c'est le même principe. Il y a juste deux, trois choses qui changent selon si tu es Android, si tu es Apple, etc. Mais le Google Maps en général, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Donc en gros, de quoi tu vas avoir besoin en fait pour faire tes itinéraires, le plus important, c'est tes yeux. C'est tes yeux, mais c'est pas le tout de dire ouais, j'ai les yeux ouverts, j'ai une bonne vue et je sais voir. Non, il faut que tu affûtes ton œil comme un pilote de chasse. Il faut qu'en un seul regard, tu arrives à voir loin, vite et analyser ce que tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser, bon, pour anticiper pour la conduite, etc. Ça, il n'y a pas de problème, tu l'as appris, on va pas refaire un cours là-dessus. Mais c'est surtout savoir identifier les panneaux qui te concernent, c'est-à-dire les panneaux d'itinéraire, la ville d'après, par exemple, que tu dois passer. C'est ce qui va te permettre, justement, même si le GPS il te dit de prendre à droite ou à gauche, surtout pas l'écouter. Si tu as un panneau qui te dit c'est par là, c'est que c'est par là. Donc le GPS, lui, des fois, il cherche à te prendre des raccourcis en mode voiture, sauf que c'est des traquenards. Le GPS, tu t'en sers vraiment en approche. Voilà, et pour savoir combien de kilomètres il te reste en roulant, ça ne doit surtout pas t'empêcher de lire les panneaux et de voir, de te visualiser, on va dire, sur la carte à quel niveau tu es. Parce que c'est comme ça que sinon tu vas te perdre et faire des détours de fou. Ça arrive à tout le monde de se tromper d'itinéraire, de rater une sortie, de pas trouver un client, ça peut arriver. Parce que tu peux avoir le meilleur GPS du monde. Quand une zone industrielle ou un client vient d'ouvrir et que c'est tout récent, tu ne le trouveras pas sur n'importe quel GPS poids lourd ou ce que tu veux. Donc après, il faut savoir te débrouiller. Donc de quoi tu as besoin en fait? Tu as besoin de tes yeux. Ça, c'est la principale chose, j'ai envie de te dire, quand tu roules, quand tu es routier. En voiture, c'est pas grave. Tu peux claquer un demi-tour à n'importe où, au frein à main, ce que tu veux, à la Starsky Hutch. Bref, mais en camion, c'est une toute autre histoire. Surtout quand tu rates ta sortie ou tu te trompes de route et que tu atterris dans une route qui plus ça va et plus ça rétrécit et que tu te dis putain, j'ai nulle part où faire demi-tour. C'est là que ça part en sucette. Et surtout, les yeux, ça va t'aider à flairer ça en fait, à développer ton instinct. Donc qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Bah moi perso, je me sers que de mon téléphone. Peu importe, un smartphone, hein, j'ai pas dit tout de suite les mecs qui vont nous vendre de l'Apple. Loin de là, c'est Google Maps et ça suffit. Après, ce que tu peux faire quand tu vas beaucoup dans des zones où il n'y a pas de couverture réseau, c'est de télécharger Maps.me. Parce que c'est une application, je m'en sers jamais. Je m'en sers très très rarement vraiment quand je suis dans la campagne. Je suis pas loin de mon client et que j'ai besoin de la carte. Sauf qu'au préalable, faut penser à télécharger la carte de la région où tu es. Et une fois que tu l'as dedans, tu n'as plus besoin de données cellulaires pour aller accéder, aller aux rues, aux routes, etc. Donc je te mettrai tout ça en lien, t'inquiète pas, on verra tout ça en vidéo derrière l'ordinateur. Donc effectivement, je te disais, tu vas avoir besoin de tes yeux, parce que c'est tes yeux qui vont te permettre justement, quand je vais t'expliquer comment faire tes itinéraires, tu auras besoin aussi d'une feuille et d'un stylo ou un post-it, ce que tu veux, ou ton téléphone, tu mets des notes. Voilà, tu prépares ton itinéraire quand tu fais un client pour la première fois ou que tu vas dans un secteur, une ville, peu importe, pour la première fois, que tu connais pas, t'es mieux de prendre le temps. La veille ou le matin tôt, enfin juste un peu avant de partir, de bien prendre le temps de repérer les routes. Et surtout en approche, quand tu vas arriver vers chez le client, comment, s'il faut traverser une agglomération, s'il y a une rocade, si ceci, s'il y a des interdictions, s'il y a des ponts, enfin bref, il peut y avoir tout un tas d'obstacles qui vont venir un peu te stresser. Donc si tu y es préparé un peu avant, et je vais te donner mes petites astuces, et c'est pas un secret, hein, il y en a plein que je connais, mais qui ont un peu d'expérience, qui font comme moi, enfin, ou qui ont d'autres techniques. Moi, je te donne la mienne. Après, voilà, je t'expliquerai tout ça dans le détail. On va se retrouver derrière l'ordinateur pour que ça soit, on va dire, pédagogiquement assimilable et digeste. Avant, installe-toi, prends-toi un café, éteins le bruit qu'il y a autour
Parce que là, tu vois, moi, je ne te fais pas du divertissement. J'arrête pas de le dire sur mes vidéos. Moi, je te donne des astuces. C'est mes astuces à moi. C'est des astuces que j'ai apprises avec les anciens ou d'autres collègues. Voilà, on partage. Donc, mets-toi au calme. Prends le temps de bien écouter. Reviens en arrière si t'as pas compris quelque chose. Enfin bref, voilà, mets-toi au calme. Regarde pas ça quand il y a la télé, de la musique ou je ne sais quoi en volant, en train de conduire. Ça sert à rien. Attends de rentrer, te poser. Comme ça, tu pourras en pratique, si tu veux, bah, faire une simulation aussi, comme moi, si tu veux, ça te permet de t'entraîner. Si t'as jamais roulé avec une carte, pour, je parle pour les jeunes ou les nouvelles générations de maintenant, qui ont pratiquement, on va dire, peut-être jamais tenu une carte dans les mains. Parce qu'ils sont nés avec des smartphones et tout ce que tu veux dans les téléphones. Donc forcément, voilà, on s'adapte au jour d'aujourd'hui. Mais on va revenir à la parenthèse du téléphone, etc., des GPS, des Google Maps. Alors, une carte routière, bon, il y en a plein qui savent, mais voilà, je préfère quand même faire une petite remise à niveau pour les petits jeunes qui vont commencer aussi. J'ai beaucoup d'abonnés qui sont encore en cursus scolaire, qui sont jeunes, qui ne savent peut-être pas faire un itinéraire, donc ça peut peut-être leur servir. Ou peut-être à d'autres personnes, la nouvelle génération, maintenant il y en a qui n'ont jamais peut-être ouvert une carte routière, hein, ils rentrent une adresse dans Google Maps ou peu importe le GPS poids lourd qu'ils pensent être infaillible, et puis ils suivent aveuglément le GPS. Après je précise, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est ce que je t'expliquais, on va revenir à la base. Une carte routière, il y a deux choses. Il y a l'échelle de la carte, donc en gros, sur le coin, dans un coin de la carte, tu auras une échelle, donc c'est-à-dire un trait avec... Par exemple, 1 cm, ça représente tant de kilomètres en réel. Donc en gros, 1 cm sur la carte, ça représente, par exemple, je dis une bêtise, par rapport à l'échelle de la carte, ça représente tant de kilomètres. Donc pour ceux qui ont fait les codes transport, les titres pro, etc., qui ont dû faire un itinéraire à l'examen avec une carte routière, donc cela vous le savez. Donc on faisait d'abord notre itinéraire, je dis une bêtise, hein. Par exemple, on partait de Rennes pour aller à Paris. Et ben, on mesurait, voilà, de là à là, de là à ici, par rapport à l'itinéraire qu'on a choisi, ainsi de suite. Puis on additionnait, et puis on convertissait par rapport à l'échelle de la carte pour savoir à peu près combien de kilomètres on allait faire, pour déterminer à peu près combien de gasoil on aurait besoin par rapport à la consommation moyenne du camion sur national et sur autoroute. Donc en gros, voilà, fallait que tu... Bon, bref, c'était juste la petite parenthèse. Donc comme quoi qu'aujourd'hui... Voilà, avec les GPS et tout, ça facilite pas mal les choses. Sauf que des fois, ça peut les compliquer énormément si tu ne suis pas tes itinéraires via les panneaux. C'est pour ça que je te dis, c'est important de mémoriser plus ou moins le secteur, la zone, le rayon d'action de ton entreprise. Voilà. Donc après, si tu traverses tout un pays ou deux pays ou trois pays, bon, bah, ça reste le même principe. Dans le sens où il faut que tu prépares tes villes d'étape. Donc c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Sur une carte, comme on faisait nous à l'époque. Donc, avant ça, comme je te disais, la légende. Donc, je te disais, les traits jaunes entourés de rouge de chaque côté, c'est les autoroutes payantes. Celles où c'est blanc au milieu, comme ici, c'est des nationales ou des départementales à caractère, on va dire, à deux fois deux voies. Voilà. Et tu as aussi les traits rouges tout simples, ça peut être des nationales ou des départementales, mais c'est des routes à caractère prioritaire. Comme là, tu vois, c'est une départementale, mais quand tu es dessus, si tu regardes pas le panneau, tu as l'impression d'être sur une nationale, donc ça roule. Après, sur une carte, le problème qui se pose, c'est que sur aucune carte routière, tu n'auras les interdictions de transit poids lourd. Cas d'exemple qu'on va reprendre après sur Google Maps, pour faire simple, on va faire départ de Vire. Voilà, donc par exemple, c'est ta première journée, tu sais que ta prise de poste se fait à Vire, voilà pour l'exemple, et que tu dois aller livrer par exemple en région parisienne. Et là, ton patron, il va te dire, bon, bah lundi, tu vas aller en région parisienne, tu vas aller livrer Lactalis, tu vas livrer Lactalis par exemple, on va le noter ici. Donc, l'adresse complète, il faut demander à ton patron. Donc, Lactalis Logistique, on va taper log, donc 11 rue. Des Alouettes 94, je sais plus combien, tiers. Voilà, donc ça, c'est le client que tu dois aller livrer. Toi, tu pars de Vire. Donc le point 0, Vire. Maintenant, voilà, tu vas prendre ta carte et tu vas te dire, bon, par où je passe. Tu as plusieurs possibilités. Et ça, voilà, après, c'est toi qui vas voir selon ton chargement, selon ton entreprise, si elle veut, si elle s'en fiche que tu prennes les autoroutes
même s'il n'y a pas besoin de les prendre, ou des fois ça ne te fait pas forcément gagner du temps, mais tu peux gagner peut-être en consommation si tu es vraiment chargé lourd en prenant l'autoroute. Donc voilà, c'est vrai que bon, une fois que tu es calé à 90, à part les quelques montées, bon, c'est tout. Mais quand tu prends de la nationale, de la départementale, voilà, faut quand même adapter sa conduite, avoir une conduite rationnelle, on va pas refaire un cours là-dessus. Bon, bref. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, on a dit Vire, c'est ici, j'espère que tu verras bien. Vire, c'est là, et nous, on doit aller en région parisienne. Donc c'est soit tu te dis, je prends la D577 pour rattraper la 84. Je prends la direction de Caen et après je vois que la 13 là, elle fait tout ça, elle passe par Rouen pour arriver à la région parisienne. Soit tu te dis, je monte jusqu'à Caen, je prends le périph' sud et je rattrape la D613 par Lisieux, Bernay, Évreux, etc. Et je rattrape la 13 après pour au niveau de juste un peu avant Mantes-la-Jolie et je rattrape la 13. Soit tu te dis, je fais Vire, Flers, Argentan, Verneuil-sur-Avre, Dreux, National 12, Paris. Donc si tu fais Vire, Paris, en prenant l'autoroute à 13, ça va être facile. Tu vois, tu as juste cette partie-là à prendre, rattraper la 84, et après c'est que de la deux voies, ce que je vois. Tu as le périph' de Caen, soit tu le prends par le périph' sud ou le périph' nord. Mais là on ne le voit pas parce que ce n'est pas une carte détaillée. Et tu vas rattraper la 13, tu vas rester sur la 13, c'est toujours la 13, jusqu'à l'entrée de Paris. Voilà, pour ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu vas suivre Caen, une fois à Caen, tu suis à 13 Rouen, Paris, et puis c'est bon. Donc par la 13, je t'ai dit, il n'y a rien de compliqué. Tu vas prendre par là, tac, la 13, il n'y a pas de souci. Tu as la possibilité de remonter toujours par Caen, comme je t'ai dit, tu vas te noter Caen. Après à Caen, tu vas prendre la direction de Lisieux. Donc une fois arrivé sur le périph' sud, tu auras des panneaux avant chaque sortie, chaque direction, tu auras des panneaux verts ou blancs. Et tu auras soit Mézidon, Lisieux, Évreux, Mantes-la-Jolie. Voilà, il faut que tu te notes les villes importantes d'étape dans l'ordre de haut en bas. Donc là, on a noté Vire. Si on veut prendre par la nationale, par la D713, Lisieux, etc., Évreux, pour rattraper la 13, eh ben, on va se noter Caen, on va se noter Lisieux, on va se noter Évreux et on va se noter Mantes-la-Jolie. Et Paris. Voilà, en gros, tu vas te noter tout ça. Donc ça va être des panneaux de direction que tu vas devoir suivre. Donc en gros, l'idée c'était comme ça à l'époque. On roulait et en roulant, on cherchait nos panneaux, on roulait, on suivait nos panneaux. Donc à chaque fois que tu passes une ville, hein, tu te dis bon bah quand c'est bon, j'ai passé Lisieux, j'ai passé. Maintenant, je suis Évreux. Voilà, il n'y a pas besoin de GPS pour ça, pour arriver déjà à faire ça, pour partir de là, arriver déjà en approche de Paris. T'as pas vraiment besoin de GPS si tu sais déjà par où tu vas passer. Donc c'est les panneaux qui vont te guider tout simplement. Donc là dans l'exemple qu'on va faire, si moi voilà j'ai le temps, je veux optimiser au maximum mon trajet, mais tu peux faire Vire. On a dit Flers. Là ici c'est Flers. On va chercher à rattraper Argentan. De Argentan, on va aller chercher la nationale 12 au niveau de Verneuil-sur-Avre. Donc on va essayer de voir si on peut toujours reprendre cette partie de route-là. À mon avis, ça va être plus celle-là, voilà. L'Aigle, etc. jusqu'à Verneuil-sur-Avre. Mais encore une fois, un itinéraire, ça reste, comment dire, théorique, hein, parce qu'après les panneaux, s'il y a des interdictions et qu'il te dit, par exemple, j'ai envie de te dire un truc à la con, par exemple, il va te dire, ouais, tu peux pas passer ici, il va te faire monter, il va te dire, par exemple, ici, là, ça sera indiqué direction Verneuil-au-Havre, pour aller avec le dessin des camions bleus, là, tu sais, itinéraire conseillé, suivre direction de Gacé, par exemple, pour redescendre après à l'Aigle. Ça reste de la théorie, un itinéraire. Après, je te dis, c'est toujours les panneaux qui priment. Mais nous, la dernière grande ville avant la ville en question où on doit aller, c'est Dreux. Donc dès que tu vois un panneau Dreux, peu importe ton papier là, ce que tu as fait ici, dès que tu vois un panneau Dreux vert, parce que tu veux rester sur la nationale, t'as pas envie de prendre l'autoroute, tu suis ton panneau Dreux parce que tu sais que tu vas passer par Dreux. Après, tout ce qu'il y a eu avant, on s'en fout, c'est juste pour te repérer. Donc Verneuil-sur-Avre, on a dit on était là. Après, on doit suivre Dreux. Et après, bon, bah, on sait qu'on doit s'arrêter au niveau de Versailles pour prendre nos cartes et puis refaire encore. Notre itinéraire, mais plus détaillé. Donc là, une fois qu'on est à Versailles, on sait qu'il faut qu'on s'arrête. Donc, on part de Vire, il faut qu'on passe Flers, Argentan, Verneuil-sur-Avre, Dreux, et à Versailles, on s'arrête et on reprend un papier, un stylo pour refaire, voilà, chercher la ville en question,
reprendre une carte détaillée de la ville en question pour chercher la rue ou l'avenue ou le boulevard ou la zone industrielle, la zone artisanale, peu importe. Dès l'instant que tu sais faire ça et que tu sais te débrouiller, voilà, on va dire, t'arrêter un café, on approche de la zone, demander au barman, voilà, s'il connaît tel ou tel client, tu arrêtes un camion, un mec qui est du coin. Voilà, c'était la débrouille à l'époque. C'était un peu comme ça qu'on trouvait nos clients. C'est important de savoir se servir d'une carte. Tu peux très bien perdre ton téléphone, il peut très bien, je sais pas moi, tomber dans l'eau et te casser, tomber en panne, t'as pas envie de te prendre la tête, aller acheter un téléphone tout de suite maintenant, t'as pas le temps, donc faut bien que tu te débrouilles. Voilà, on sait jamais ce qui peut se passer avec ton téléphone ou ton GPS poids lourd ou ce que tu veux. L'électronique reste de l'électronique. Voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'électronique, ça peut lâcher du jour au lendemain. Et en général, ça lâche jamais au bon moment. Ça lâche toujours au moment où t'en as le plus besoin. Donc à ce moment-là, c'est important de pouvoir s'arrêter à une station et de savoir faire ton itinéraire comme un grand. Voilà, tu peux rigoler si tu veux, mais il y en a beaucoup qui savent pas le faire. Dans toutes les cartes, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut procéder en logique. Il y a un lexique, voilà, il y a toujours un lexique sur les atlas, sur les cartes régionales, peu importe les cartes, tu as toujours un lexique ou des légendes. Bref, dans le lexique, tu vas chercher le nom de ta ville. Donc si tu prends une carte, un atlas, peu importe, il y a le nom de la ville. Donc tu le regardes. Par ordre, c'est toujours rangé par ordre alphabétique. Donc nous, c'était Thiers. Et tu auras à côté, comme à la bataille navale, c'est-à-dire que toutes les cartes, elles sont quadrillées. Voilà, tu verras des traits bleus qui traversent. Voilà, ça fera des carrés, verticalement et horizontalement. Et dans ce carré-là, comme à la bataille navale, en haut, tout en haut de la carte, tu auras des lettres ou des chiffres. Et sur le côté gauche ou droit, tu auras des lettres ou des chiffres. Donc voilà, par exemple, je vais te sortir un truc à la con. Par exemple, Thiers, ça va être marqué exemple. Hein. Je n'ai pas dit que ça sera forcément H5, mais on va dire que c'est H5. Donc H5, ça va nous ramener dans un carré, on va dire, comme ça, par exemple. H5, donc il faut que tu cherches ta ville de Thiers. Donc là, on va regarder, tac, dans le carré, pas besoin de sortir du carré. Bon, là, il n'y est pas, mais tu fais comme si qu'il y en avait un. Et là, Thiers, c'est ici, d'accord? Donc de là, toi, nous, il nous faut quoi? Donc, tu as vérifié le code postal, c'est bien le bon. Toujours important le code postal. Même avant de partir, je l'ai peut-être oublié de le dire. Il te faut le département, mais le code postal précis, c'est mieux. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir un code postal complet. Donc, de là, ça nous ramène à 94-320, je crois, quelque chose comme ça, le code postal. On s'en fiche, c'est le principe. Il faut que tu comprennes la logique des cartes. Donc, de là, tu vas aller, soit tu prends une autre carte, ou soit toujours dans l'Atlas. Tu regardes est-ce qu'il y a les rues, selon la taille de l'atlas, selon de ce que c'est. Sinon, tu as des cartes plus détaillées par rapport aux villes en question. Donc, tu prends la carte de Thiers. Hein, dans les boutiques, je te dis, tu as toutes les cartes que tu veux en général. En gros, tu vas avoir une carte qui va se présenter un peu comme ça, de la ville de Thiers avec toutes les rues. Parce que là, on n'avait pas les rues. Et là, on a à peu près les rues. Voilà, de la ville de Thiers. Et tu auras, maintenant, une fois que tu as la carte, on va dire, détaillée avec toutes les rues, donc ça sera l'atlas par exemple de Thiers, si c'est une grande ville, voilà, qui a besoin de plusieurs pages, ça ne tient pas sur une carte, comme Paris, comme peut-être certaines villes, tu auras un atlas avec un ordre alphabétique, tu vas chercher pareil, donc là tu as toutes les rues. Mais dans le lexique, ça sera toujours pareil, délimité dans un carré. Donc par exemple, ça va être B3 par exemple sur la carte, la rue des Alouettes, on va dire que ça va être B3, donc tu vas chercher dans le carré la rue des Alouettes. Donc on va dire là, j'ai zoomé comme si que tu avais la carte en papier ou la page de l'atlas en question, donc tu vas tomber sur le carré qui correspond à B3 dans le lexique de la rue que tu cherches. Donc nous, on voit que la rue des Alouettes, elle est là. Voilà, la rue des Alouettes, elle commence ici, elle fait tout ça, hop, jusqu'ici. Maintenant, nous, on a besoin du numéro 11. Donc là, le 11, ça, c'est le numéro de rue. Donc 9, 11. Nous, on doit aller ici. Donc il faut vérifier, surtout, faire attention, c'est au sens, les flèches au sens de circulation. Donc ça, c'est pareil, c'était des choses qu'on repérait quand on prenait notre papier, notre stylo. Nous, on savait qu'on allait arriver sur la carte générale, si tu te souviens bien, on arrivait par la A86. D'accord ? Donc, en gros, tu auras une partie de la A86. Tu vois, là, elle est marquée là. Donc c'est tout cet axe rouge-là. Et sur la carte, ça sera, voilà, ça sera vraiment mieux détaillé. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver au 11. Donc, on reste au maximum, si tu te souviens bien, sur les axes, on va dire, qui roulent bien. Voilà, où il y a de la place, c'est large, c'est dalle de voie, etc. On va pas s'amuser à sortir, surtout dans les grandes villes ou les grandes agglomérations comme la région parisienne, Paris, Lyon, Rouen. Peu importe, on évite, on reste, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des feux rouges, il y a des intersections compliquées. Il y a des gens qui vont livrer, des porteurs, des petits VL qui vont livrer aussi. Voilà, c'est surtout aux heures de pointe, c'est une horreur.
Donc on reste quand même au maximum sur les axes principaux. Donc voilà, en gros, ça va être à toi sur l'atlas ou sur la carte de la ville de te faire ton petit serpentin. Il n'y a rien de compliqué. Tu te fais, je sais pas moi, tu te dis, allez, est-ce que je peux sortir la rue des Alouettes? Elle est là. Moi, je dois aller au 11 qui est ici. Je sais pas si tu vois bien. Et est-ce qu'on peut sortir à la 25A? Tu vois, ça, c'est les trucs de sortie. C'est ce que je dis, c'est important. Dans chaque carte, tu as les légendes sur le côté. Mais par logique, voilà, devant chaque sortie, en général, il y a un numéro. Mais sinon, tu as tout ce que tu veux dans les légendes. 25A, ça sera indiqué sur les panneaux quand tu vas rouler. Voilà pourquoi nous, notre papier, il nous servait à ça à l'époque, c'était de regarder les panneaux. Maintenant, avec vos GPS, on ne regarde quasiment plus les panneaux. Donc forcément, ce n'est pas un bon réflexe à avoir. Parce que, comme je le dis, je le répète encore, il suffit qu'il y ait des travaux sur un trajet donné. Voilà, ça arrive, hein, des routes qu'il faut refaire, etc. Donc tu as une déviation. Et si tu rates le panneau d'avant qui te disait bah, pour accéder à la rue des Alouettes, peut-être qu'avant, ils vont te dire qu'il fallait sortir à la 24, par exemple. Donc du coup, là, tu vas perdre du temps, il va falloir que tu sortes à la 25B, tu fasses demi-tour si tu y arrives, etc. Bref, ça va être tout un traquenard. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder les panneaux et de savoir où on en est sur la carte à peu près, d'avoir une sorte de comment on appelle ça? Faut qu'avec tes yeux, comme si tu prenais une photo avec tes yeux, voilà, une photo visuelle de la carte en question. Donc du coup, est-ce qu'on peut sortir à la 25A pour accéder à la rue des Alouettes? Bon, on regarde les flèches, surtout très important, on voit qu'on peut. Là, on peut y aller. Alors du coup, ça nous emmène où? Là, j'ai quoi à ce rond-point-là quand je sors à la 25A? Bah, j'ai soit je reprends par des rues par là, mais tu vois que ça ne m'arrange pas parce que tu vois, ça ne rejoint pas les rues ici. Donc soit je fais demi-tour. Faut se faire le trajet dans sa tête en regardant la carte, en fait, tout simplement. Donc si je fais demi-tour, je ressors ici, je fais ça pour refaire ça, etc. Après, c'est quoi le mieux? Je vois qu'il y a une deuxième sortie qui rejoint en fait ce même pont, en fait, ça, parce qu'on voit que le dessin il passe par-dessus le rouge qui est en dessous, donc c'est un pont, on passe au-dessus. Donc on se notait. A86, sortie 25B, au rond-point qui était ici, première à droite, ou première sortie, comme tu veux. Tu te notes chacun, note comme il sent hein, sur ta feuille. Hein, quand tu étais à la station, tu notes ça. Hein. Hop, tu avances, première à droite, donc ici, tac, et rue des Alouettes, et le numéro 11 qui était ici. Voilà. Et du coup, ça te forçait à regarder les panneaux des rues, à regarder. Les panneaux d'itinéraire, etc. Et c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, les poteaux. Allez, maintenant, c'est fini ce temps-là pour vous, mais au moins ça, fais-le au moins une fois pour toi. Ça peut te permettre déjà, même pour ceux qui font des codes transport, t'as pas le droit au GPS, logiquement, enfin, de mémoire. Faut que tu te débrouilles avec une carte routière. Donc, c'est important de le faire. Et après, je vais vous montrer, pour te simplifier tout ça, sur Google Maps. Moi, je te dis, j'ai pas de partenariat avec eux, mais au moins. C'est à peu près un bon truc. Bon, j'avoue, la partie carte routière, papier, atlas, etc., papier stylo, j'avoue, c'est une partie qui est chiante. Alors, c'est pour ça que je dis au jour d'aujourd'hui, t'as plus besoin de tout ça grâce à Google Maps. Mais surtout, il y a une fonction que je kiffe sur Google Maps, quand je fais pour la première fois un itinéraire, que ce soit en France ou en dehors de la France, il y a juste un truc à Google Maps que personne n'a, que ce soit GPS poids lourd ou ce que tu veux, c'est cette fonction-là. Alors, pour que tu comprennes mieux, voilà. En fait, tous les traits bleus là que tu vois, c'est partout la voiture Google a fait, elle est passée devant, ça te permet de tout voir comme ça en fait, comme si que tu y étais. Après, oui, il y aura des changements peut-être d'ici là qu'elle repasse, etc. Mais bon. Ça te permet déjà de voir à peu près la hauteur des ponts, ça peut te permettre de voir certaines interdictions poids lourds. Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que je vais t'expliquer après. Je vais t'expliquer après comment grâce à ça, tu pourras vérifier tous tes itinéraires. Donc tu vois, la France quand même, elle est très très bien quadrillée. Donc tu vois, là je l'enlève. En gros, ça c'est la façon Google Maps quand tu dézoomes sur la carte. Donc tous les axes que tu vois en jaune, c'est les axes principaux, on va dire. Après, à toi de regarder si c'est une autoroute, si c'est une nationale, une départementale. Et après, plus tu zoomes, plus ça devient une carte, on va dire, non,
Pour moi, c'est même mieux qu'une carte Michelin, parce que grâce à cette fonction-là, en fait, tu peux tout voir. Tu vois, regarde, la voiture, elle est passée partout. Donc là, si je clique sur ce point-là, eh ben, je peux voir la route à quoi elle ressemble. Si je vois que mon GPS sur Google Maps, il commence à me dire de prendre une route comme ça, eh ben, si je vérifie que je vois que c'est comme ça, bah, je vais éviter de la prendre. Sauf si je vais charger, je sais pas, moi, s'il y a quelqu'un qui produit des pommes de terre là-bas, oui, ok. Mais ça sera sur peut-être 3, 5, 10 km. Autrement, ce cas-là, je vois pas pourquoi j'irais prendre des routes comme ça, même si ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, on évite. Parce que surtout quand t'as pas trop le temps, c'est un peu chiant. Donc, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. On va retaper Lactalis, rue des Alouettes, à Thiers. On va mettre itinéraire. Et nous, on partait de la STEF, on a dit de Vire. Donc voilà Google Maps, même si tu le fais sur ton téléphone, ça va te proposer plus ou moins les mêmes itinéraires que ça. Là, c'est juste sur le PC, c'est mieux. Après, si vous voulez, ouais, je pourrais vous faire une vidéo sur mon téléphone, comment moi je le fais, mais c'est exactement le même principe. Parce que comme il y en a qui sont Android, il y en a qui sont Google, parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais nous, sur Android, ça marche pas comme ça. Pour mettre les points d'étape, faut faire comme ça ou comme si. Enfin voilà, chacun son téléphone, chacun fouine un petit peu dans son téléphone et voit comment il rajoute les points d'étape, etc. Mais ça se fait très bien. Moi, je le fais avec mon téléphone comment dire, la semaine quand je bosse, je me prends pas la tête à rallumer le PC à chaque fois. Mais là, c'est voilà. Si t'as le temps, d'une tablette, ça sera pareil. Ça sera comme là sur le PC. C'est pour ça que je vais vous dire justement le setup idéal pour moi. C'est une tablette, voilà. Plus elle est grande, mais avec données cellulaires. Tant qu'à faire. Enfin, qui fait GPS, voilà. Donc, on avait dit que nous, on allait prendre cet itinéraire. On voulait passer par Flers. Donc, voilà comment je fais mon truc. Parce que bah, j'ai pas envie de prendre la 13. Parce que la 13, il me disait combien de kilomètres déjà? 306 km par la 13. 273 km par la route là, mais là je vois que je descends pour remonter. Pourquoi? Peut-être je peux passer par au-dessus, mais ça on va le voir après. Mais alors là, ce trajet là, c'est même pas la peine. 357 km, je sais pas si vous voyez la différence, c'est pas négligeable. Donc on va prendre déjà celui-là. Mais si je veux pas prendre de péage par exemple, mais pas du tout de péage, tu peux aller dans les options. À éviter section, les sections à péage. Tu coches, donc là il ne te prend plus de péage, il va calculer sans péage. Donc encore une fois, Google Maps ou pas Google Maps, ça reste tes yeux qui dominent. Hein. Je ne dis pas qu'il faut que tu te fies 100% à Google Maps non plus. Mais quand même, ça te permet de voir beaucoup plus de choses que sur les autres GPS poids lourds et ça te permet aussi de t'apprendre à rouler avec tes yeux. Donc comme on a dit, on partait de Vire. Donc déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu rentres une adresse dans Google Maps, l'important c'est de vérifier est-ce que c'est une bonne adresse que tu as. Avant même de dire oui, je passe par-ci ou par-là, perdre son temps. Si ça arrive, hein, des fois on se trompe en notant ou le dispatch en question te donne une adresse sans faire gaffe, il se trompe parce que les correcteurs d'orthographe, etc. Voilà, des fois dans la précipitation, voilà, ça reste humain. Donc avant de rouler, tu vérifies. Donc tu zoomes sur l'adresse de destination. Donc nous, c'était Lactalis. Donc, on s'attend à avoir un écriteau ou une enseigne Lactalis Logistique. Donc, déjà, tu peux te mettre en mode satellite, voir déjà à quoi ressemble, si c'est vraiment un entrepôt, si c'est pas le siège social avec juste un immeuble et des bureaux. Et là, tu te trouves con déjà parce que tu te dis merde, c'est quoi ce bordel? Donc, voilà, déjà, ça te permet de voir s'il y a des quais, s'il y a des camions, si, voilà, par où tu rentres, si tu rentres par cette rue-là, ou s'il y a une rue derrière, peut-être rentrer par derrière, là, c'est juste l'entrée voiture. Bon, Google Maps a ses limites quand même à ce niveau-là. Il va pas te dire en camion, tu rentres forcément par là. Hein, et tu peux très bien voir l'entrée poids lourd qui arrive, je sais pas, moi, par la rue de l'autre côté. Donc, voilà, ça te permet de visualiser déjà ton client, comment il est situé. Donc, déjà, Lactalis, je vois qu'il y a écrit président, il y a écrit encore président. Donc nous, on va dire, on va essayer de se mettre là, on clique une fois, et on appuie. Normalement, il y a une photo qui s'affiche, donc on clique une fois ici, parce qu'on va arriver par la droite, là en fait, si tu te souviens bien sur la carte. On clique sur la photo,
et on vérifie déjà la rue, comment. Déjà, ça te permet de voir comment c'est foutu, comment tu vas arriver. Voilà, déjà, ça te permet d'y aller virtuellement, on va dire. Mais là, je vois quoi? Je vois qu'il y a marqué président. Si j'avance un peu, il y a écrit quoi encore? Si j'avance encore. Donc là, l'enseigne, c'est président, Lactel, enfin voilà, société, etc. Donc il n'y a pas écrit Lactalis. Donc déjà, ça aide. Parce que toi, si tu arrives et que tu cherches une enseigne Lactalis et que tu la vois pas, forcément, tu vas commencer peut-être à stresser. Hein. Ça, je dis ça, c'est un exemple. Ça peut être ce qui est en là ou un autre. Mais déjà, ça c'est un avantage que je trouve que Google Maps, voilà, je trouve qu'ils ont géré là-dessus quand même. Donc ça te permet de visualiser l'entrée et la sortie. Donc là, on voit que c'est la sortie ici. Donc faut pas rater la première. Hein, donc si tu arrives, donc tu vois qu'il y a des quais là. Voilà, ça te permet de plus ou moins de te situer. Bon, bref. Ça, c'est important à faire avant de partir quand tu fais un client pour la première fois. Voilà, ça a l'avantage que Google te donne que tu n'as pas sur n'importe quel GPS poids lourd. Donc nous, on a dit maintenant, on va refaire notre itinéraire. Donc quand tu vois que c'est des portions jaunes, ça te marque le trafic en temps réel. Donc là, je vois que forcément, les bouchons commencent hein, à l'heure où il est. Il y a peut-être eu un accident, il y a des travaux, on ne sait pas. Donc on s'est dit, on va se faire cet itinéraire-là, mais quand tu te souviens, on a vu que c'était des routes qui n'avaient pas l'air d'être à caractère prioritaire, donc vaut mieux les vérifier, tu vois. Avant de se dire, est-ce que je passe par là, ainsi de suite, Argentan, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va voir, est-ce qu'à la base, on passe comme ça, ou est-ce qu'on passe comme ça? Donc ça, on va le voir après, si tu veux, poto. Donc nous, on partait de Via. Donc pareil, hein. On rezoome de notre point de départ, qui est ici. On met le mode satellite. Hein, si c'est ta première fois que tu bosses chez eux, c'est ta première journée. Déjà, ça te permet de savoir quand tu sors de quel côté prendre. Même si le GPS, il te le dit plus ou moins, mais au moins, tu sais quoi, tu es sûr. Ça te permet de te repérer. Donc, bon, bref, la STEF de Vire, hein, elle ressemble à ça. Donc, là, on voit bien que c'est le dépôt et les camions. Là, tu peux mettre ton point ici si tu veux, cliquer sur la photo. Donc, tu vois, là, tu es face à l'entrée. Donc, tu vois bien en bas à gauche, ça t'affiche toujours par rapport à ton itinéraire. Ça, tu peux le mettre comme ça aussi. C'est pour ça qu'en mode tablette ou PC, c'est mieux. Voilà, quand tu as une tablette, c'est encore. Voilà, moi, tu peux le faire n'importe où. Mais ça te permet de voir à peu près dans quel sens tu roules et ainsi de suite. Et en fait, tu as la petite flèche noire là, du petit bonhomme qui te dit vers où le bonhomme il regarde. Donc, nous, si on veut regarder dans le sens où on va rouler, ben, il nous suffit de sortir, de tourner avec la souris, quoi. Ce qui te compte, c'est les portions de route. Et en fait, si tu veux, sur Google Maps, ce qui est bien, quand tu mets en mode comme ça, là, en mode plan, et que tu dézoomes, tu as les points blancs en fait qui s'affichent après sur la carte. Et tous les points blancs, c'est des changements d'itinéraire, des intersections, ou changements de route, etc. C'est des étapes. Donc c'est plutôt ces parties-là qu'il va falloir vérifier, on va dire. Mais tu verras que bien souvent, tu n'auras pas besoin de vérifier beaucoup, beaucoup non plus. Tu vois. Donc nous, l'idée, c'est de rattraper la D524 en partant de Vire. Donc nous, on partait de la STEF de Vire. Donc on a dit qu'on prenait à gauche et qu'on arrivait à un rond-point. Et que lui, il nous disait d'aller tout droit. Déjà, est-ce qu'on peut aller tout droit? Donc là, je clique sur la photo. Écoute, il n'y a rien qui m'interdit d'aller tout droit. D'accord. Même si tu veux, on se met un peu avant, hein, pas de problème. Donc là, on arrive comme ça. Voilà, à 80, je sais plus combien, à Rennes. On voit le panneau là, si tu veux, tu peux le voir, tu peux zoomer dessus. Là, tu l'as là, direction Caen. Donc on avance. On avance. Il n'y a pas de souci. On va faire comme ça ira plus vite. Là, on voit qu'il y a même un camion qui y va, donc du coup forcément tu te dis ouais mais bon lui il est peut-être en desserte locale. Je suis d'accord avec toi aussi. On va là à l'autre rond-point qui est ici. On va se téléporter. Ça c'est magnifique ça, moi j'adore. Hop, et nous on doit prendre, si tu vois bien sur la carte, on doit prendre par là. Donc on doit prendre à droite dans le sens. Donc on doit prendre par là. Et tu te souviens, sur notre feuille, on avait noté quoi? On avait noté Flers, la première ville qu'on devait passer.
Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction pour alors pour la direction de fer. Donc on va dézoomer un peu, on va aller au rond-point d'après. On va se mettre là, on le met dans le bon sens, hein, forcément. C'est la ville qui nous donne la... Enfin, c'est le panneau qui nous donne la direction, c'est le panneau. S'il y avait eu un panneau jaune là, marqué flair, prendre à gauche, et celui-là, il aurait été barré, ou le panneau poids lourd PL là ici, pour la direction de flair, prendre à gauche, et que ton GPS, lui, continue à te dire d'aller par là, toi, tu serais allé par là, mais en fait, tu vas être bloqué peut-être un peu plus loin. Et en fait, il fallait juste suivre les panneaux, après, tu suis tes panneaux jaunes jusqu'à flair. Parce que c'était marqué là, flair, déviation, poids lourd, conseillé, ou peu importe, obligatoire, c'est à gauche. C'est pour ça que je dis, c'est toujours les panneaux qui priment. Il peut y avoir un accident grave plus loin, ton GPS poids lourd, il ne peut pas le savoir. Donc, c'est toujours les panneaux qui priment. Donc, bref, on a avancé à ce rond-point-là. On va dézoomer ici. On va fermer, on va aller voir. Il n'y a rien qui nous interdit d'aller à flair par là-bas. Donc, on va aller voir là pour attraper la D. Combien on avait dit? La D524. On va se mettre là. Et on va voir si on peut prendre à gauche. En fait, c'est ça l'idée. Hop. Flair à gauche. Bon bah écoute, on va voir à quoi ressemble la route. Ça n'a pas l'air dégueu comme route. Donc déjà, tu sais que c'est... Voilà, il n'y a pas de souci. C'est une route à caractère prioritaire. Hein, on voit le panneau. Donc il n'y a pas de problème. C'est une route que tu peux emprunter. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à Flair en tout cas. Bon bah déjà là, tout va bien. Donc en gros voilà, ça va nous ramener jusqu'à Flers, arriver à l'entrée de Flers. Donc là, si tu as repéré Flers, c'est là le centre-ville. Maintenant, si le GPS te fait passer comme ça, tu vois, alors que tu vois qu'il y a un petit contournement, voilà, c'est important de vérifier aussi, tu vois. Donc au moins ça t'évite de bugger, parce que des fois, tu as des contournements de l'autre côté. Donc c'est important de savoir à un moment donné, à un rond-point, quelle direction prendre. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien sur Google Maps, c'est que ça te permet de tout vérifier. Donc ça, pour bouger les points, si tu veux te mettre des points d'étape sur tablette, c'est pour ça que je te dis c'est pratique, avec le doigt ou avec la souris, tu bouges le point que tu veux ou tu t'en ajoutes un et une étape et lui il le fait. Donc après ça reste en mémoire, quoi qu'il arrive, il te fera passer par ce point-là. Donc ça, c'est ça que je trouve que c'est bien moi sur Google Maps. Donc quand tu vois qu'il y a par exemple cette route-là, ici, tu vois, si je voulais faire ça et que je me téléporte à ce rond-point-là, et que je mets en mode photo. Hop. Donc là, si mon GPS, Google, parce qu'il y en a beaucoup qui roulent avec Google Maps. Donc tu vois là, tu vas voir ça, du coup, ça va être chiant. Parce que ton GPS, il dit de passer par là. Après, je sais quoi, tu vas tourner là, tu vas voir Flair, par exemple, ou je ne sais quoi. Tu vois, on a Dreux, bah du coup, il fait partie de notre liste. Donc là, tu vois, maintenant que tu vois un panneau vert comme ça, Dreux, tu suis que Dreux. Tant que tu n'es pas à Dreux, tu vas pas suivre ton GPS, tu suis ce panneau-là ou les panneaux jaunes. S'il y a des déviations, des choses comme ça. Voilà, direction Dreux pour les poids lourds, ça va te marquer. Prendre cet itinéraire-là. Donc là, c'est important de ne pas rater les panneaux comme ça. Donc voilà, j'ai pas besoin de te faire tout. Tu as compris le principe. On va pas y passer des plombes. Hein, après, vous allez croire que je vais vous vendre des actions Google. Et non, pas du tout. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans votre poche pour ne pas avoir à investir je ne sais combien dans des GPS poids lourds. Voilà, c'est un trajet, ça. Après, c'est peut-être des trajets que vous allez faire souvent. Après, tu le sais. Après, comme je te l'ai dit, c'est important. Voilà, tu vas pouvoir vérifier. On va dire, par exemple, ici, là, tu vois, là, à cet endroit-là, on va voir si direction Dreux, il veut bien que je prenne à gauche, au pire. Voilà. Donc, on se téléporte. Tu vois, la Dreux, il nous disait de prendre à droite, alors que le GPS, il nous disait de prendre à gauche. Je sais pas si tu te souviens bien, regarde. Là, tu vois, Google Maps, il nous disait de prendre à gauche ici à l'intersection, là, à la prochaine intersection. Donc, on va avancer, on va voir, tu vois. Et nous, il faut qu'on aille à droite. Donc, après, voilà, c'est pas méchant parce que tu vois ce que je veux dire, tu suis ton panneau. Après, ton GPS, oui, il se réadapte. Tu vois, ça sert à rien d'aller suivre le GPS là, par là. Tout ça parce qu'il va chercher à te faire gagner 1 ou 2 km. Reste au maximum sur les axes jaunes. Parce que là, si tu regardes la D14, c'est un axe blanc. Donc, c'est vraiment une route secondaire. Donc c'est pas terrible, tu vois. Alors que là, au pire, si tu veux, tu suis, tu veux faire lui faire suivre le panneau, tu mets ton point là, et là, il n'y a pas de problème.
Donc, tu vois, il va plus te faire prendre là, les petites routes en blanc, tu vois. Voilà l'idée avec Google Maps, si tu veux vraiment te faire ton truc étape par étape, et après, on va dire, te concentrer sur la conduite et savoir que tu as bien mis tes points sur ton GPS pour prendre la route, si tu veux, mais je te conseille d'apprendre à quand même savoir les villes que tu passes, tu vois, genre par exemple Dreux, tu vois, c'était déjà indiqué au niveau de Flers. Donc après, voilà, tu suis que Dreux, les panneaux verts, panneaux jaunes s'il y a des déviations pour les poids lourds, voilà, tu suis Dreux. Et une fois à Dreux, ça sera indiqué Paris. Donc il n'y aura pas de problème. Alors ce qui est important de vérifier, c'est l'approche de ton client, c'est-à-dire quand tu vas quitter l'axe principal par lequel tu vas arriver jusqu'à chez le client. Donc là, dans notre cas, c'est un exemple, hein. Après, ça va, ton client, il aurait très bien pu être, je sais pas, moi, ici, ou je ne sais où. Tu vois, donc il faudra que tu vérifies vraiment de la sortie, est-ce que déjà elle est autorisée en sortie poids lourd, jusqu'à chez ton client. Comme ça, déjà, toi, tu sais comment tu vas arriver. Donc déjà, ça va te rassurer. Si tu arrives du bon côté, si tu arrives par la bonne entrée. Enfin voilà, ça, c'est important de vérifier. Donc le fait de pouvoir vérifier ça va te dire au moins si tu vas prendre la bonne sortie. Parce que s'il fallait prendre une sortie avant, tu vas te galérer, tu vas perdre du temps, surtout si tu es juste en heure de conduite. Donc c'est pas le moment de perdre voilà 20 minutes, une demi-heure, aller faire demi-tour, chercher la bonne rue pour accéder. Donc ça, c'est très important de le faire. Et voilà pourquoi je te dis Google est tellement puissant à ce niveau-là. Déjà là, c'est l'itinéraire qu'en fait, quand j'ai tapé l'adresse, Google m'a sorti ça comme itinéraire à l'arrivée, hein, je parle, hein, pas tout ce qu'il y a eu avant. À l'arrivée, déjà, ça va nous permettre de vérifier est-ce qu'on va bien sortir. Que la sortie qu'on va prendre, est-ce qu'elle est bien? Donc là, je vois que le bonhomme, il s'est pas mis dans la bonne voie. Donc après, on clique là et on vérifie au fur et à mesure que le bonhomme il avance par rapport à notre sortie qui est ici. Tu vois, le bonhomme il regarde vers là. Donc on va avancer, on va prendre la prochaine sortie. Hop, et là on voit Cédia, centre commercial, etc. La 25B. Tu vois, elle est notée là, 25B, c'est ce qu'on a noté sur notre feuille, si on devait rouler à la carte. Sauf qu'à la carte, si c'était indiqué avant, eh ben, il aurait fallu qu'on sorte avant, mais ça nous obligeait à regarder les panneaux. Donc là, il suffit que Google Maps, si tu roules avec Google Maps ou avec un autre GPS voiture, et qu'il te fait sortir à une sortie qui est interdite, eh ben, tu ne pourras pas le voir. Là, avec Google, si tu prends 5 minutes, là, la vidéo, OK, elle dure 1 heure. Mais t'as pas besoin d'1 heure pour faire ton itinéraire. Hein. Quand tu vas rentrer ton adresse, voilà, tu es sur Google Maps, tu vérifies comme ça va te prendre 5 minutes. Donc là, la sortie, on peut la prendre, il n'y a pas de problème. Donc on va se faire les centaines de mètres qui restent virtuellement pour voir si tout se passe bien au niveau de cette sortie-là. Et encore une fois, c'est pas une science exacte. S'il y a des travaux et que c'est indiqué de sortir avant, et ben le fait de savoir déjà les rues que tu vas prendre, du moins la zone du bois où tu dois aller, ça va t'aider déjà. Et c'est toujours les panneaux qui priment. Donc là, on sortait ici, on est à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu vois bien ma souris. Donc on a pris la première sortie. On rond-point, on avance. On avance. Qu'est-ce qu'ils nous disent, panneaux? Voilà, Seigneur Alouette. Et nous, on devait aller à la rue des Alouettes. Donc tout va bien. Pour l'instant, ça s'adosse bien. On continue d'avancer. Et on avait dit qu'on allait prendre la première à sortir à droite. Sur le pont, là. Donc là, on passe bien sur le pont. Hop, on va sortir là. Quand tu vois le bonhomme, il sort. Hop. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de pont à 3,50 m. Pas d'interdiction. Il n'y a aucun panneau qui dit que c'est interdit. On avance. Le bonhomme, il avance en bas aussi, là, à son tour. Voilà, ça te permet de faire ton approche, on va dire, virtuellement. Donc, ça serait dommage de ne pas se servir de cet outil qui est gratuit. Tout le monde l'a. Hein. Alors, arrêtez de vendre des GPS poids lourds à je ne sais combien. Alors que, voilà, je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin d'un GPS poids lourd. Parce que dans tous les cas, ça sera toujours les panneaux qui primeront. Voilà, s'il y a une route qui est barrée, s'il y a un accident, s'il y a un truc, il y aura une déviation de mise en place. Ça va être les panneaux qui vont te dire. Donc après, poids lourd, GPS poids lourd ou pas poids lourd, j'ai envie de te dire, il ne sert plus à rien dans ce cas-là. Alors pour conclure, poto, mais le combo idéal pour moi, ça serait une tablette avec un écran suffisamment grand
Avec le GPS intégré, comme ça, bah, t'as pas besoin de télé, de passer des câbles de partout, surtout si dans plus en plus d'entreprises maintenant, tu changes de camion régulièrement. Donc voilà pourquoi, pour moi, le combo idéal, plutôt que d'avoir un PC, sauf si tu as besoin, si tu as l'utilité d'avoir un PC, bon bah d'accord, mais sinon, ton téléphone, déjà avec ton téléphone, tu peux déjà tout faire. Déjà pour commencer. Et si tu veux investir un petit peu dans un truc, quitte à investir dans un GPS poids lourd, vu le prix que ça coûte, pour moi, je préfère encore mieux investir dans une tablette qui fait GPS, qui a les données cellulaires. Voilà, comme ça, au moins, tu sais que tu as un GPS avec un support tableau de bord exprès pour qu'elle, bon, bah, pour pas qu'elle bouge et que tu puisses avoir accès à ta tablette, enfin, au GPS, on va dire, en conduisant, pour l'avoir sous les yeux. Voilà pour moi la conclusion de tout ce qui est GPS, etc. J'espère que j'ai répondu à ta question, poto, parce que vous l'avez posé souvent cette question-là, quel GPS poids lourd? Eh ben, pour moi, j'ai pas de préférence pour les GPS poids lourd. Je t'ai donné mon idée du côté ergonomique, du côté simple et du côté voilà, le tout en un. L'idée, c'est ça, parce qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant qui peuvent prétendre avoir leur camion attitré pour pouvoir se permettre d'installer des convertisseurs, des télés, des micros, des cafetières. Donc voilà. Pour moi, le setup idéal, c'est une tablette avec le GPS intégré, les données cellulaires intégrées. Et voilà, plus elle est grande, mieux c'est. Bon, après, prends pas la tablette taille écran plasma non plus, ça sert à rien, il faut que tu puisses voir la route quand même. Mais ça peut te servir de GPS gratuitement et tout vérifier encore mieux que n'importe quel GPS grâce au mode View Street. Voilà pourquoi je te dis, pour moi, Google, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Allez, poto, porte-toi bien, garde la pêche et à bientôt.